J'arrive pour te parler.
Eh bien, coucou, salut, salut, mes amours. J'espère que vous allez très bien. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie que je vous reprends aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer d'une manière beaucoup plus particulière. Alors, si tu as pris le soin d'écouter réellement, bien sûr, ce mantra, ça va beaucoup te protéger, ça va éloigner toute énergie négative de toi. Eh bien, ici, nous sommes abondamment protégés, les dieux sont présents, et puis c'est le moment que nous allons pour aller ensemble prendre le message, bien sûr, qu'on a pour nous. Alors aujourd'hui, le message du jour, ça va plus s'adresser à toutes ces personnes où votre autre est bien conscient de votre lien, votre autre sait très bien que vous êtes fait l'un pour l'autre et c'est quelqu'un qui veut vraiment de votre lien, c'est quelqu'un qui veut de votre relation, c'est quelqu'un qui veut vraiment que vous soyez ensemble, mais qui a toujours des doutes, qui a toujours des peurs, pas des peurs d'être avec toi, non, mais la peur de confronter, de faire face à la situation, de faire face à la réalité, de tout affronter, de tout abandonner pour pouvoir finalement sauver votre relation. C'est une personne qui a peur d'aller de l'avant avec toi parce qu'en réalité, il y a déjà des réalités, il y a déjà des obstacles, il y a déjà des situations qui étaient déjà là. Donc du coup, cette personne se pose pas mal de questions de comment est-ce qu'elle va se positionner face à toi. Alors, cette personne, tu la rencontres déjà, vous voyez. Vous avez l'habitude de vous voir ou peut-être que vous ne vous voyez presque pas, mais tu sais qu'elle tient beaucoup à toi, tu tiens beaucoup à lui, mais juste que vous vous posez la question, que faire? Ou cette personne, toi tu es prête et cette personne se pose encore la question, que faire? Alors, on ira voir à l'instant présent, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Nous sommes partis. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? C'était le message que j'étais partie prendre, bien sûr, avec les énergies pour toi. Alors, ce que cette personne pense de toi actuellement, ce n'est pas trop positif, d'accord? Alors, cette personne actuellement pense qu'en réalité, s'engager avec toi, pour lui, c'est que ça va non seulement le ralentir, ça va en fait l'empêcher, d'accord, de vraiment se positionner comme il lui faut. C'est quelqu'un qui pense qu'en réalité, que tu es en réalité sa personne, d'accord, tu es en quelque sorte la personne avec qui, d'accord, il pourra vraiment s'engager comme cela se doit, c'est comme le message l'a dit, mais c'est quelqu'un qui pense qu'en réalité, que si entre-temps tu lui avais parlé de déménagement, tu lui avais parlé ici ou bien tu lui avais proposé, d'accord, un changement de lieu, un changement de vie ou ici un voyage, un truc comme ça. C'est quelqu'un qui pense que c'est compliqué pour lui tout de suite vraiment de partir de son foyer si entre-temps cette personne est déjà dans un foyer. C'est quelqu'un qui pense que c'est un peu difficile pour lui de sortir de ce foyer ou de partir de ce lieu de vie le plus tôt que possible en fait. C'est quelqu'un qui se trouve encore bloqué dans cette situation. C'est quelqu'un qui se trouve encore coincé, d'accord, dans cette situation. Et donc, cette personne, en réalité, pour le moment, en réalité, a peur de ta réaction si elle doit te le dire, si elle doit te faire savoir que c'est difficile pour lui de s'embarquer avec toi tout de suite, d'accord. Donc, du coup, c'est une personne, en réalité, qui connaît votre lien, qui sait que votre lien existe, mais qui n'a pas le courage, d'accord, de s'embarquer dans votre lien. Cette personne, pour le moment, te concernant, ce qu'il pense de toi, c'est bien sûr de ce que cette personne se dit qu'il n'est pas encore prêt, qu'il n'est pas encore prêt ou bien qu'elle n'est pas encore prête à vraiment aménager avec toi, à vraiment s'engager avec toi, parce que je vois non seulement cette personne ne veut faire, ne fournit aucun effort ici, d'accord, pour pouvoir sortir de la situation. Je vois que c'est quelqu'un qui se permet en fait ici de prendre tout son temps. C'est quelqu'un qui se dit, ben, tu peux l'attendre, toi tu peux l'attendre jusqu'à ce qu'il ne soit prêt. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé ici, d'accord? C'est quelqu'un qui se dit à tout moment, dès qu'il sera prêt, eh bien ici, il pourra te faire ou bien elle pourra te faire la surprise que lui, il aimerait
te faire en réalité. C'est quelqu'un en réalité pour le moment veut juste un tout petit peu profiter de toi, d'accord? Profiter d'abord de la situation, profiter des moments qu'il vit avec toi. C'est quelqu'un qui aura l'air de te montrer que ben oui, je veux construire un foyer avec toi, je veux mettre en place une relation avec toi, mais je ne le veux pas. C'est quelqu'un qui veut, mais en même temps qui ne veut pas. Tu vois, juste parce que cette personne, en réalité, pense que pour le moment, il ne peut pas encore bouger de sa situation, il ne peut pas encore prendre le risque de sortir de sa situation, parce qu'il se voit gelé ici dans cette situation, il se voit pieds et mains liés dans cette situation, il n'arrive vraiment pas à prendre, en fait, la responsabilité de sortir de cet engagement ou de sortir de cette ancienne habitude. Pour d'autres personnes, ça peut être des attitudes, des comportements qu'ils ont, d'accord, ou bien qu'elles ont et qu'ils doivent laisser tomber, qu'elles doivent abandonner, en fait. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui pense quand même, d'accord, que ben, c'est un peu difficile pour le moment, un peu compliqué pour le moment, d'accord, de s'embarquer avec toi. Alors, j'ai un deuxième message. Néanmoins, le premier message est en train de te dire quand même que c'est quelqu'un qui va finalement, d'accord, c'est quelqu'un qui pense quand même bien de toi, d'accord, malgré tout, malgré sa situation et tout. Et c'est quelqu'un qui pense quand même te faire une surprise par la suite. C'est quelqu'un qui n'aimerait pas que tu lui imposes ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. C'est quelqu'un qui n'aimerait pas que tu l'obliges à faire ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. C'est quelqu'un qui aimerait que tu restes sans forcément le pousser à quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui aimerait que tu restes sans forcément agir, sans forcément lui faire savoir quoi que ce soit, sans forcément le pousser à quoi que ce soit, mais que ce soit lui-même en fait qui se décide finalement de ce qu'il doit faire ou de ce qu'elle doit faire, et que pour lui en réalité, se décider en fin de compte et de faire ce qu'il a envie de faire te concernant, ça sera comme une surprise pour toi, tu vas vraiment aimer et ça sera comme une joie pour toi. Donc du coup, en réalité, pour cette personne, c'est que toi tu peux l'attendre autant de fois que tu dois. En fait, que c'est possible en fait, d'accord, c'est une personne qui et qui peut aussi, d'accord, t'empêcher d'avancer. C'est une personne qui peut t'empêcher d'aller reconstruire ta vie ou bien de refaire ta vie, d'accord. Cette personne en fait peut te retenir en fait, tu vois, par ses propos de oui, c'est toi, je veux être là, je suis là pour toi, est-ce que tu ne vois pas maintenant que ouais, voilà, j'ai ton temps et tout, mais juste que tu vois, je ne peux pas encore, et puis cette personne te pose là. Donc, du coup, tu deviens comme un, voilà quoi, pose-la comme une miroir, je dirais, et cette personne vient regarder et repartir, en fait, tu vois, jusqu'à ce que la personne-ci ne soit prête finalement pour toi. C'est quelqu'un qui pense finalement être là pour toi, mais qui n'est pas encore prêt du tout, pas pour le moment. Alors, le second message que j'ai, ce que cette personne pense de toi actuellement, si tu ne te retrouves pas dans le premier message, c'est que pour le deuxième message, cette personne pense qu'en réalité, que tu es en train de prendre une décision pour pouvoir faire ralentir votre relation. C'est quelqu'un qui est en train de penser que toi, en fait, tu es en train de vouloir stopper votre relation, tu es en train de vouloir quitter la relation. C'est quelqu'un qui pense que tu es en train de prendre des dispositions, d'accord, pour pouvoir, en fait, arrêter votre relation. C'est quelqu'un qui pense que tu es en train de prendre des dispositions pour te séparer de lui, ou bien pour te séparer, oui, bien sûr, de lui, je dirais, pour te divorcer ou pour t'éloigner de lui, ou pour, en fait, ici, repartir avec une autre personne, d'accord? Et cette personne pense qu'en réalité que toi, en fait, d'accord, tu es son bonheur en réalité, d'accord? Et donc, du coup, la personne, le fait qu'il pense, d'accord, que toi, tu es en train de tout faire pour pouvoir vous séparer, pour pouvoir, en fait, arrêter votre relation, alors il pense que, en réalité, le fait que toi, tu prends cette décision, que ça va jouer sur son déménagement, ça va jouer sur certains de vos projets que vous avez essayé de mettre en place, d'accord? C'est comme si vous avez mis certains projets, en fait, ensemble ici, en place.
Vous avez peut-être le projet de déménagement et puis de vous mettre ensemble et puis de lancer peut-être un projet ensemble et puis de fonder votre foyer ensemble et puis en fait d'être partenaire, d'accord, par rapport à quelque chose. Et en fait, ça peut être une entreprise, en fait, ça peut être aussi un projet, une activité. Et en fait, si vous allez travailler ensemble, ça va vous permettre d'avoir des rentrées d'argent ou bien des trucs comme ça, d'accord. Donc, du coup, soit vous avez déjà ces projets ensemble ou soit, d'accord, cette personne sait que toi, tu lui as parlé d'un projet comme ça, d'accord, et que cette personne avait mise la main là-dessus et veut vraiment que vous allez vers ce projet, d'accord, vers la réalisation de ce projet. Mais actuellement, cette personne pense que toi, en réalité, tu es dans un objectif de l'abandonner, tu es dans un objectif de sortie de ce lien, de bloquer ce lien, de stopper ce lien, et ça ne lui plaît pas trop. Ça ne lui plaît pas trop parce qu'en réalité, lui, ça l'empêche, d'accord? Ça l'empêche de vraiment, finalement, se positionner avec toi. Ça l'empêche, finalement, de retrouver l'équilibre, tu vois, qu'il aimerait ou bien qu'elle aimerait, bien sûr, avoir avec toi, d'accord? Donc, du coup, deux messages différents, l'un parle à d'autres personnes et l'autre aussi parle à d'autres personnes. Donc, nous sommes partis pour plus de détails. Alors, ici, je suis partie prendre un message pour savoir ce que cette personne pense actuellement de votre relation. Alors, c'est beau quand même, d'accord? C'est beau quand même ce que cette personne pense de votre relation. C'est quand même beau, d'accord? Parce que là, c'est quelqu'un qui pense que actuellement, ça ne colle pas dans votre relation. C'est quelqu'un qui pense que ça dandine. C'est quelqu'un qui pense que votre relation est déstabilisante. Vous n'avez pas encore l'équilibre qu'il faut. Ça bascule. C'est comme une balance. Pour le moment, c'est-à-dire vous avez forcément des hauts et des bas qui font que vous n'arrivez pas encore à vous stabiliser vraiment ou bien à stabiliser cette relation. Actuellement, vous ne vous entendez pas, soit vous êtes en colère l'un contre l'autre, ou soit ici, vous ne vous supportez pas, ou soit ici, vous engueulez de temps à autre, ou bien tout le temps, presque tout le temps, ou bien actuellement, pour d'autres personnes, il y a une distance actuellement entre vous, d'accord? Ou carrément, pour d'autres personnes, c'est une personne qui est revenue dans ta vie, d'accord? Qui a fait son retour dans ta vie, mais ça te fait peur, ça te fait peur, son comportement te fait peur parce que tu te demandes si, eh ben, si c'est une personne, si c'est pas une personne qui est en train de venir là dans ta vie pour te faire encore du mal en fait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a très envie de toi, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment examiné, étudié votre situation et qui a finalement pris la décision, d'accord, d'être avec toi. Et c'est pourquoi cette personne est revenue avec toi. C'est quelqu'un qui veut vraiment avancer et évoluer avec toi. C'est quelqu'un qui est en train de prendre la bonne décision quand même, parce que c'est quelqu'un qui sait que non seulement cette fois-ci il ou elle va pouvoir construire sa vie familiale avec toi, mais aussi c'est quelqu'un qui pense que avec toi il pourra évoluer sur d'autres projets qui pourront vraiment vous rapporter sur le plan financier. Donc c'est quelqu'un qui a pris vraiment son temps pour pouvoir être de retour dans ta vie, mais pour le moment c'est comme si toi tu ne l'admets pas encore, hein, ma fille, hein, je comprends, hein, ou bien mon chéri, si entre temps c'est une femme qui revient dans ta vie, d'accord. Alors ici, cette personne en réalité pense actuellement que votre relation est instable, mais pour que votre relation puisse vraiment se stabiliser, c'est quelqu'un qui pense que soit il doit d'abord déménager ou bien ici il va te proposer un voyage, d'accord, un voyage à deux ici pour que vous essayiez d'étudier la situation ensemble, pour que vous essayiez de parler de la situation ensemble. Pour d'autres personnes, ce voyage ça peut être une assise, ça peut être une invitation, ça peut être, attends, je vois. Ouais, ça peut être une discussion, un échange, d'accord? Et en fait, c'est une communication ou bien c'est un échange ou un voyage que vous devriez faire depuis très longtemps. Ça a pris du temps, d'accord? Et donc, du coup, au cours de
cette discussion, au cours de cet échange, il va y avoir beaucoup d'accusations. Vous allez, je vois ici que tu vas accuser cette personne de certaines choses, ou c'est cette personne qui va t'accuser de certaines choses. Ça pourra être aussi vice-versa. Mais cet échange, ce voyage, ce déplacement va vous permettre en fait de finalement vous réconcilier, de finalement ramener la paix au milieu de vous. D'accord? De finalement, ça va vous permettre de sortir finalement de cette culpabilité en réalité. Pour la majorité, on me dit qu'actuellement, vous êtes juste, c'est-à-dire derrière les réseaux en fait. Vous vous écrivez juste par les réseaux sociaux ou bien vous vous appelez juste par les réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément une communication en tant que telle pour le moment parce que la situation est gelée. Mais ce voyage, d'accord, qui arrive, ou bien ce déplacement qui arrive, d'accord, ou bien pour d'autres personnes, on peut me parler d'un éloignement. Il peut y avoir une distance, d'accord, qui va s'imposer entre vous ou bien qui s'impose là entre vous. Au cours de cette distance, vous aurez le temps d'étudier certaines choses, d'observer certaines choses et d'analyser certaines choses. Et ça va vous permettre finalement de finalement vous proposer, d'accord, d'aller vers un voyage, une assise, un échange. Et au cours de cet échange, il y aura pas mal d'accusations, mais quand même, vous allez finalement vous comprendre, vous entendre. Et lorsque vous allez vous comprendre, vous allez comprendre qu'en réalité, c'était pas les accusations là que vous étiez en train de vous apporter, c'était pas que réellement vous étiez fautifs l'un et l'autre, mais c'était juste que parce que vous étiez en fait enfermés dans vos pensées négatives. C'est-à-dire que le fait que vous avez eu un passé un peu douloureux, un passé un peu difficile, ça fait que toi, tu penses des choses de cette personne et cette personne aussi pense des choses de toi. C'était que vous vous doutez de l'un et de l'autre, même si vous n'en avez pour rien. Est-ce que tu comprends? Peut-être que toi, tu penses que oui, cette personne continue de te tromper avec son ex, d'accord? Ou bien que c'est une personne, en fait, qui est infidèle, qui court toutes les femmes et qui est un coureur de jupons, par exemple, d'accord? Et cette personne aussi n'arrête pas de penser de toi que oui, c'est toi, tous les hommes courent et c'est toi qui es avec tous les hommes de temps à autre et que toi aussi, tu es infidèle. Alors qu'en réalité, tous deux, vous êtes fidèles, tous deux, vous êtes justes, vous êtes vrais par rapport à votre lien, mais juste que vous n'avez pas encore la possibilité de vraiment vous positionner. Et le fait que l'instabilité est là, ça vous donne des doutes, d'accord? Et au cours de cette assise, au cours de cet échange, ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux l'un et l'autre et de comprendre qu'en réalité, mais l'autre n'en avait pour rien. Et l'autre aussi va comprendre que non, mais toi aussi, tu n'en avais pour rien en réalité. On s'accusait pourquoi alors? On s'attaquait pourquoi alors? Et pourtant, on voit ici que ces accusations, ces jugements que vous portez l'un pour l'autre, ça vous a éloigné. Hein? Ça vous a éloigné, ça va prendre du temps, d'accord? Encore, pour que vraiment vous allez vers ce nouveau départ. Mais lorsque vous allez ouvrir les yeux, d'accord, par rapport à cela, et que vous allez comprendre la situation, ça va vous permettre finalement d'aller vers ce nouveau départ, parce que là, vous allez finalement vous rendre compte qu'en réalité, que l'un comme l'autre, vous êtes un cadeau divin pour chacun de vous, vous êtes une bénédiction pour chacun de vous, et c'est là où vous allez vous rendre compte que cette relation, elle est magnifique tout simplement, d'accord? Et à partir de ce moment, cette personne va comprendre qu'en réalité, que oui, tu es la bonne personne pour elle, et toi aussi, tu vas te rendre compte que cette personne est bien sûr la bonne personne pour toi. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'accord? Alors, donc, du coup, on va aller voir quelles seront les prochaines actions de cette personne d'ici les 3 jours prochains, d'accord? Quelles seront ses prochaines actions, cette personne vis-à-vis de toi? Alors, nous sommes partis pour aller voir quels seront ses comportements, qu'est-ce qu'il va proposer, qu'est-ce qu'il va faire. Si entre-temps il y a une distance entre vous, si entre-temps c'est un peu compliqué parce qu'il y a de l'instabilité quand même, il y a des blocages, il y a quand même des hauts et des bas ici, il y a des ralentissements, il y a des choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, on va aller quand même voir, d'accord? Alors, quelles sont les actions que cette personne va mettre en place? Oh là là, désolé, hein? Ça ne fait pas partie des cartes. Donc, du coup, nous sommes partis. C'est une manière de vous dire qu'en réalité, vous allez repartir à zéro sur votre relation. Alors, quelles sont les actions que cette personne va mettre en place, va poser hein, d'ici les 3 prochains jours pour pouvoir sauver votre lien? Est-ce que cette personne pense que votre lien doit être sauvé?
Est-ce que cette personne pense qu'elle doit faire quelque chose pour vous, en fait? Les actions que cette personne va mettre en place d'ici les quelques jours. Magnifique, hein? C'est beau quand même le message. J'espère que vous me voyez. Attendez. Donc, du coup, voilà, j'espère que c'est bon. Maintenant, tu arrives à me voir. Super. Alors, ici, cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui pense qu'on lui a fait la sorcellerie. D'accord? Avec la carte du fou, c'est quelqu'un qui pense qu'on lui a fait la sorcellerie, qu'on lui a jeté des sorts. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur on est en train de le retenir dans une relation, on est en train de le retenir dans une situation. Et cette personne, en réalité, ce qu'il pense faire, d'accord? Bien, ce qu'elle pense faire d'ici les 3 prochains jours, c'est vraiment de se battre pour sortir, d'accord, de cette sorcellerie qu'on a eu le temps de lui faire. C'est quelqu'un qui veut se détacher, d'accord, de ces liens toxiques qui ne lui font pas du bien. C'est quelqu'un qui aimerait ici, d'accord, se libérer de certaines folies, de certaines situations, d'accord, qui n'ont pas lieu d'être. C'est quelqu'un qui pense partir, se déplacer ou carrément déménager, d'accord? Et cette personne veut le faire pour retrouver non seulement d'abord sa joie, son bien-être, c'est quelqu'un qui veut d'abord retrouver aussi en fait sa force physique, c'est quelqu'un qui va réussir quand même à le faire parce qu'on parle quand même du 9 de coupe, c'est la victoire, c'est le succès, hein? Donc du coup, c'est quelqu'un qui veut le faire dans l'objectif de te satisfaire en fait, d'accord? Parce que avec le 9 de coupe, c'est que je veux me libérer pour nous rendre heureux, pour nous rendre victorieuses, pour nous rendre joyeuses, pour nous rendre, en fait, pour que le bonheur soit à nous, pour que le succès soit à nous, en fait. D'accord? Donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui va chercher ici à faire des efforts, d'accord, pour sortir de cette énergie qui, en fait, qui ne vous fait pas du bien. Cette personne se rend compte finalement que cette énergie ne vous fait aucun bien, d'accord? Et le fait que cette personne va sortir de cette énergie, va se libérer, c'est quelqu'un qui pourra aller voir quelqu'un du domaine, d'accord? Quelqu'un qui peut aller voir, comme on appelle, quelqu'un de spirituel, ou bien ici, beaucoup plus un tradi praticien ou une tradi praticienne qui va vraiment l'assister, quelqu'un qui va aller voir une personne spirituelle pour qu'on l'assiste, d'accord? À se libérer finalement de cette sorcellerie, à se détacher, d'accord, de cette transformation qu'on a eu à poser sur lui, de ces sorts qu'on a eu le temps de lui jeter, d'accord? Et donc, du coup, le fait qu'il va le faire, ça va quand même porter une victoire à votre relation, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui pense que finalement, il doit écouter son cœur, hein? C'est quelqu'un qui pense qu'il doit écouter son cœur, c'est quelqu'un qui pense qu'il doit avoir de la perfection, de l'amour humain et de l'amitié. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui pense qu'en réalité, que tu es son bonheur, qu'il doit quand même essayer, d'accord, d'être ton meilleur ami, d'être plus proche de toi et puis vous permettre, en fait, d'aller de l'avant, hein? On voit que c'est quelqu'un, la première des choses qu'il va faire d'ici les 3 prochains jours, c'est de se libérer, d'accord, de cette attache négative, et il va passer à l'action. Il va chercher à s'approcher de toi, quelqu'un qui va chercher en fait à t'inviter à avoir une assise avec toi, une discussion avec toi, un échange avec toi, quelqu'un qui revient là finalement même là dans ta vie. Si entre temps on nous avait dit, hein, que c'est quelqu'un qui est en train de faire son retour dans ta vie et ça te fait peur, mais cette fois-ci c'est quelqu'un qui va essayer de se libérer de ce qui te fait peur dans sa vie et vraiment venir se libérer dont on parle. Ça ne veut pas dire que si entre-temps, cette personne est mariée, cette personne est faire le divorce totalement. Non, mais c'est quelqu'un qui va finalement prendre la décision, d'accord, d'être avec toi, rien qu'avec toi, et va le faire savoir à l'autre personne dans sa vie, d'accord? Cette personne peut être toujours auprès de l'autre, mais finalement va lui dire la vérité, d'accord? Pour d'autres personnes, cette personne va déménager. Pour d'autres personnes, cette personne va prendre la décision de finalement, en fait, se poser ou se positionner avec toi, d'accord? Donc, du coup, cette personne va chercher à progresser avec toi, à chercher à maintenir votre lien. C'est quelqu'un qui va chercher quand même à sauver votre relation.
on voit que c'est quelqu'un qui va commencer par chercher à t'encourager et à pouvoir te faire savoir combien de fois il est finalement prêt pour votre relation, bien sûr, d'accord? Donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui viendra se réfugier, bien sûr, dans tes bras. C'est magnifique quand même, parce que là, regarde-moi ça. Avec le cap de pourpre, regarde comment c'est joli. Est-ce que tu vois? C'est quelqu'un qui vient se réfugier vraiment dans tes bras. C'est quelqu'un qui trouve que finalement, entre tes bras, ben, avec toi, il a le repos, il a le calme qu'il veut. C'est quelqu'un qui pense qu'avec toi, il a l'harmonie qu'il veut et qu'avec toi, qu'il peut prospérer et qu'il peut avoir la paix, en fait, qu'il veut et qu'entre vous, il pourra y avoir une parfaite entente. D'accord? Et donc, du coup, cette personne, lorsque cette personne va se rapprocher de toi, il va chercher à apporter la paix, la tranquillité entre vous, quelqu'un qui va se poser finalement avec le chariot, c'est un succès, c'est beau, c'est mignon, tu peux pas comprendre ce que je t'explique en fait, waouh, en fait, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de beau, quelque chose de waouh, quelque chose de ouais quoi. C'est quelqu'un qui va te reconnaître ta valeur, quelqu'un qui va chercher à faire triompher votre relation, quelqu'un qui va chercher, d'accord, à donner tout, d'accord, pour que vous ayez le succès, pour que vous connaissiez le succès, quelqu'un avec qui finalement tu vas avoir une évolution spirituelle et même matérielle, une belle réussite matérielle aussi, quelqu'un quand même de très intelligent, d'accord, il va t'honorer cette personne, d'accord, et c'est quelqu'un qui va te reconnaître aussi ta valeur finalement en fin de compte. Donc, du coup, d'ici les 3 prochains jours, quelque chose de waouh arrive vers vous, mes amours. Vous qui êtes dans cette situation précise dans laquelle je parle, d'accord? Parce que j'ai bien précisé la guidance avant de l'annoncer, avant de la commencer, d'accord? Donc, du coup, on voit quand même que c'est quelqu'un qui va commencer par chercher à te faire rappeler votre passé, d'accord? De bons souvenirs, vous concernant. Quelqu'un qui va commencer par avoir de belles réflexions. Quelqu'un qui va commencer par te réconforter. Et waouh, waouh! Ah non, quoi, regarde-moi ça! Hein? Va commencer par te réconforter, va être ton meilleur ami, va être très proche de toi, va beaucoup te parler pour t'ouvrir les yeux, pour te faire comprendre qui tu es, quelqu'un qui va te faire en fait rappel de mémoire, on dit, ou bien quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est beau le message, je ne m'y attends pas, c'est quelqu'un tout simplement qui veut sauver votre relation, c'est quelqu'un qui veut sauver votre lien et qui va le faire, ça sera waouh, parce que finalement, c'est quelqu'un qui te voit comme une reine de bâton, c'est quelqu'un qui te voit comme une belle amie, qui te voit comme une belle amante, qui te voit comme un bon ami, qui te voit comme un bon amant, c'est quelqu'un qui te voit comme étant une femme responsable. T'es quelqu'un qui te voit comme étant une femme très riche, une femme qui a une belle stabilité, une femme qui est en train de récolter ce qu'elle a semé, une femme qui est très concentrée, d'accord, sur son avenir, sur sa réussite professionnelle, une femme battante, en fait, d'accord, et une femme qui réussit dans ses affaires. C'est quelqu'un qui te voit comme une... Oh là 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 là, c'est beau, hein? C'est beau. Donc, du coup, cette personne te voit comme une très belle personne, d'accord, en affaires, en amour, de façon personnelle et même en finance. Et donc, du coup, cette personne pense qu'en réalité, te perdre, c'est perdre toute une richesse, d'accord. Et donc, du coup, cette personne va se rapprocher, va essayer de sauver. Ce n'est pas que cette personne veut essayer, hein? C'est quelqu'un qui veut sauver. Je veux sauver notre union. Un point, un trait. Et cette personne, on voit clairement ici que c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'efforts, d'accord, pour pouvoir sauver votre relation. Et ça sera magnifique. Ça sera tout beau, tout simplement, parce qu'on te dit que finalement, c'est toi qui vas en bénéficier. Finalement, c'est toi qui vas en bénéficier. C'est quelqu'un qui va te combler d'amour, qui va te combler de joie, qui va tout laisser tomber pour toi et qui va t'apporter vraiment toute cette richesse qu'il faut. On te dit que dès que tout va se mettre au clair entre cette personne et toi, eh bien, ça va t'ouvrir des portes financières. Et ça va t'apporter aussi un succès, d'accord, dans tes affaires, d'accord. Entre-temps, si vous avez des partenariats, parce qu'on a vu quand même que c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir un projet, d'accord, quelqu'un avec qui tu vas avoir un projet ou des activités, et ça vous sera trop beau. Regarde-moi ça, deux de coupe, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
exprès, hein, on m'a dit de prendre un message pour conclure. Et je suis partie pour prendre un message pour conclure. Et qu'est-ce que je vois? Deux coupes. Deux coupes, la meilleure de toutes les cartes. L'amour. L'amour frappe à ta porte d'ici les 3 prochains jours. Je peux te dire vrai. Pour d'autres personnes, ça va vous prendre une semaine ou plus. D'accord? Mais la majorité, c'est d'ici les 3 prochains jours. Si tu es bien sûr dans cette situation dans laquelle je te parle. Comme c'est beau, l'amour, la passion, oh là là, oh là là. Non seulement vous serez de bons amis finalement, d'accord? Non seulement vous allez finalement vous unir, il y aura une belle union. Non seulement vous allez vous sympathiser. Non seulement il y aura les rapports entre les deux, c'est-à-dire vous allez plus vous comprendre désormais. Et qu'est-ce qui vient par la suite? C'est l'amour, la passion. Vous serez passionnés l'un par l'autre. Il y aura, waouh, une très belle union. En tout cas, moi, je suis toute contente pour vous, mes amours. Je vous adore, je vous aime très, très fort. Un tirage, pas comme les autres. Je suis fière. Alors, je vous souhaite le meilleur couple. Comme c'est beau, soyez heureux et que ce couple reste pour toujours. C'est mon souhait. Alors, si entre-temps, tu es dans une situation congelée comme ça, je peux te rassurer, quelque chose de beau, quelque chose de waouh arrive à toi. Ce n'est pas pour rien que cette guidance a été particulière dès le début. Ce n'est pas pour rien que ça a commencé comme ça. Alors, l'art, toi et moi, on comprend maintenant. Et ça se clôture de la même manière que ça a commencé. Si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Abonne-toi, il faut aimer, il faut appuyer sur le petit pouce j'aime et aussi il faut partager le message. N'oublie pas d'être connecté demain à 10h, demain samedi bien sûr, 10h de chez moi. Ça permet ici, d'accord, de vivre l'événement que j'aurai à vivre avec toi demain. Je vais faire télé 1 an de ma chaîne et j'ai de très belles surprises pour toi et demain particulièrement, ça sera question réponse. Je serai là demain à partir de 10h pour répondre à toutes vos questions qui vous préoccupent, qui vous hantent. Soyez connectés et appelez vos amis, vos collègues, invitez-les à être connectés pour pouvoir vraiment connecter au live parce que je serai en live pour pouvoir vraiment recevoir la réponse à leurs préoccupations. Ça sera tout simplement beau. Et au cours de ce live, j'ai une très belle surprise à partager avec toi. J'ai une très belle surprise à t'apporter. Et puis tu verras combien de fois c'est plus beau. Et donc, du coup, soyez connectés. Je vous embrasse très fort. Nous sommes partis. Ciao, ciao.